Bienvenue à Charleroi pour la 56e édition du circuit de Wallonie, 192 km. On a eu comme d'habitude une échappée matinale, 6 coureurs qui ont eu jusqu'à 3 minutes 30 d'avance sur le peloton, mais on a repris bien sûr cette échappée matinale. On va arriver sur le circuit final à Mont-sur-Marchienne, à faire 3 fois long de 11 km. Et on va assister à de nombreuses attaques puisque ce circuit est un petit peu vallonné. On voit la formation Lotto-Soudal qui a beaucoup roulé pendant la journée avec tout d'abord comme espoir Arnaud Delis pour le sprint ou pourquoi pas Philippe Gilbert en cas d'arrivée entre puncheurs puisque on sait que sur ce dernier tour de circuit il y a une petite bosse pas loin de l'arrivée où on va voir l'attaque du champion du Canada qui va être repris. Ensuite une attaque d'accord de la formation BNB Hotel KTM avec Philippe Gilbert puis Axel Zinkley le corps de la formation Cofidis qui va sortir dans ce dernier kilomètre. Gilbert n'a pas réussi à prendre le sillage du coureur français. Alors c'est Andrea Pasqualone qui revient de très loin, qui a pris le siège de Gilbert et qui va revenir dans les derniers mètres sur Axel Zinkley et le dépasser. Et c'est une victoire à nouveau pour la formation Intermarché Wanty-Gobert. Première victoire de la saison par Pasqualone devant Axel Zinkley. Troisième, Philippe Gilbert devant Nicolo Bonifazio. Cinquième, Pete Allegaert. Sixième, Maxime Van Gils. Septième, Milan Mentel. Ciao tout le monde.